Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du compagnon Zayd ibn al-Khattab radiallahu an. Une fois, alors qu'un groupe de musulmans était en train de discuter, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, marqua un temps d'arrêt, puis leur dit en substance qu'il y avait parmi eux quelqu'un qui irait au feu. Depuis, chacun des présents prenait garde et avait très peur que cette prémonition se réaliserait sur lui. Cependant, tous les présents à qui était adressé ce hadith furent tombés par la suite sur le chemin d'Allah, sauf Ebu Hurayra et Ar-Rajal ibn Unfu'a. Ebu Hurayra radiallahu an resta dans la crainte à attendre le destin qui lui était réservé, jusqu'au jour où Ar-Rajal ibn Unfu'a apostasia et rallia Musaylimah l'imposteur. Avant d'être un renégat, Ar-Rajal avait embrassé l'islam et avait aussi prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il avait regagné son peuple et n'était revenu à Médine qu'à la suite de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la désignation du calife Abu Bakr radiallahu anhu. À Médine, il informa Ebu Bakr radiallahu an sur les événements survenus dans son pays à El Yamama, à la suite de l'apparition de Musaylimah qui s'était autoproclamé prophète. Puis, il suggéra à Ebu Bakr radiallahu an de l'envoyer à son peuple avec la mission de raffermir leur foi. Le calife, Ebu Bakr radiallahu an, lui accorda cette mission. Mais à son arrivée à Al-Yamama, Ar-Rajal fut impressionné par le nombre des partisans de Musaylimah, de telle sorte qu'il rallia leur rang. Ar-Rajal fut beaucoup plus dangereux que Musaylimah, parce qu'il exploita son ex-foi, le temps qu'il avait passé près du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les versets coraniques qu'il avait appris, ainsi que la délégation donnée par le calife Abu Bakr radiallahu an. Il exploita perfidement tout cela pour appuyer le pouvoir de Musaylimah l'imposteur. Les mensonges d'Ar-Rajal parvenaient à Médine et les musulmans, y compris Zayd ibn al-Khattab radiallahu an, n'attendaient que le moment propice pour mettre fin à cet apostat. Vous avez sûrement reconnu ce compagnon, c'est le grand frère de Omar ibn al-Khattab radiallahu an. Zayd ibn al-Khattab radiallahu an avait embrassé l'islam et il était tombé en martyr avant son frère Omar radiallahu an. Il avait été aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans toutes ses expéditions. Dans chaque combat, il ne cherchait pas la victoire, il cherchait le martyr. À Uhud, lorsque les hostilités montèrent à leur plus haut niveau, Zayd radiallahu an usait de son arme sans relâche et sans attacher de l'importance à la force de l'ennemi. À un moment, son bouclier tomba. Alors son frère Omar radiallahu an lui lança « Zayd, prends ton bouclier ». Il lui répondit, sans prendre le bouclier, « Je veux le martyr comme toi, ô Omar. » Donc, Zayd ibn al-Khattab radiallahu an brûlait d'envie de rencontrer Ar-Rajal. Pour lui, ce dernier n'était pas seulement un renégat, mais aussi un menteur et un hypocrite. Quand le jour d'El Yamama arriva, Zayd radiallahu an était le porte-étendard de l'armée musulmane, qui était alors dirigée par Khalid ibn al-Walid radiallahu an. Les partisans de Musaylimah eurent l'initiative dans la bataille de telle sorte que le doute s'installa quelque peu dans les rangs musulmans. Alors Zayd radiallahu an surplomba un monticule pour encourager ses compagnons d'une voix forte et sûre. « Ô homme, serrez vos dents et allez sur votre ennemi, allez de l'avant. Par Allah, je ne parlerai plus jusqu'à ce qu'Allah les batte ou que je le rencontre. Je lui donnerai mon argument. » Puis il quitta le monticule et s'en alla à la recherche de l'apostat Ar-Rajal, pour lui régler son compte. Il fit finalement le trouver et le tuer. La mort de ce renégat sonna la fin définitive pour Musaylimah et ses troupes polythéistes. Zayd radiallahu an louangera Allah pour lui avoir permis d'accomplir cette tâche, puis il continua son combat sur le champ de bataille jusqu'au moment où il tomba en martyr. Au retour de l'armée victorieuse, Omar ibn al-Khattab radiallahu an vint aux nouvelles. On lui dit que son frère était mort en martyr. Alors, Omar radiallahu an eut cette parole. « Qu'Allah accorde miséricorde à Zayd. Il m'a devancé aux deux splendeurs. Il s'est soumis à l'islam avant moi et il est mort en martyr avant moi. » Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs
et à très prochainement, Inch'Allah.